Salut, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer la deuxième partie de mon rack à chute, aujourd'hui pour les tasseaux. Les petits morceaux, ils étaient en dessous et aujourd'hui, on va s'occuper de faire quelque chose pour mes tasseaux. Et je vais en profiter pour intégrer mes panneaux de bois brûlés pour les mettre en exposition dans l'atelier, ceux-là même que j'avais fait dans la vidéo sur le bois brûlé, le Sho Sugiban. Allez, en avant! J'utilise ces cases pour ranger mes chutes et je vais faire des plus grandes cases, des plus longues surtout, au-dessus, pas forcément jusqu'au plafond parce que je n'arriverai pas à les atteindre, mais j'ai des chutes qui font 1m50, 1m80, 2m et que je peine à ranger là sur le bord parce que ça ne tient jamais, ça tombe. Et donc je veux faire des petites cases pour les ranger. Magique ce petit aspirateur. Le principe constructif, il va être assez simple. Il y aura un bout comme ça, un autre bout juste à côté, des plateaux avec un tasseau là sur le bord, un petit tasseau là, et ensuite on recommence jusqu'à la hauteur ici. Et ensuite les panneaux de bois brûlé, ils vont dépasser un petit peu, ça me fera un rack pour des trucs plus longs qui pourront filer devant la fenêtre là.218 alors que j'ai besoin 190. Alors je vais pouvoir purger les parties qui n'ont pas été brûlées. Je vous rappelle, ces panneaux, c'est une expérimentation que j'ai fait de bois brûlé. Je vous mets un lien là-haut pour retrouver ça. C'était vraiment chouette à faire. Ces panneaux, je veux les exposer dans l'atelier, qu'un client puisse venir et éventuellement choisir une de ces finitions pour un projet. Je ne sais pas encore quoi, mais je veux qu'ils soient exposés en tout cas. Bon, comment je vais faire? Allez, je vais marquer tout ça déjà. Bon, j'ai coupé un petit angle, un peu au pif, pour compenser l'angle du mur. Et ben, le pif a l'air de bien marcher. Allez, un petit coup de niveau. Ah, ça commence. Voilà. Je ne sais pas très bien comment je vais les fixer sur l'avant, mais ça va être beaucoup Newton et la gravité qui va les fixer. Elle est tenue au sol par le poids. Et puis voilà. We'll be right back.
Je sais toujours pas comment je vais faire pour mettre les machins verticaux là. Il va y avoir une feuillure en bas des panneaux, mais pour la suite, je sais pas encore. Hein. Derrière, je vais pas m'embêter, je vais mettre une petite équerre. Hein. C'est pas si souvent. Mais ça va faire des petites cases, hein. Mais c'est bien. Je veux des petites cases. Bon, il y aura un tasseau là contre le mur et ça va aider à tenir l'ensemble. Là. Alors ça, c'est le tasseau pour fixer le dernier étage, le plafond sur l'ensemble. Parce que je pense que je pourrais encore stocker du bazar au-dessus, là. Des trucs qui ne servent pas souvent. Allez, j'ai réussi à aligner une série de montants, une série de tasseaux, et les deux premiers, le premier et le dernier montant de bois brûlé. Je lui ai fait une petite feuillure comme ça pour mieux les aligner sur l'arrière, parce qu'ils ne sont pas tout à fait égaux, il y en a qui ont tuilé un petit peu. Donc voilà, au moins ça sera aligné sur l'avant. Et puis voilà, ça sera bien comme ça. Je vais faire les autres. C'est un peu délicat parce qu'il faut passer cette face-là contre la machine et donc il faut essayer de ne pas l'abîmer. Mais c'est possible, j'en ai déjà fait deux. J'ai fait les plus faciles, remarque. Hein. Allez, au suivant. Commence à être pas mal, hein. Là. Bon, il n'y a plus qu'à mettre tous les autres morceaux et puis de recommencer. On se retrouve un peu plus tard, d'accord? Ce sera presque fini. Donc en fait, là derrière, je vais laisser un petit trou de façon à ce que les petites poussières et les petites miettes puissent tomber en bas. Je ne sais pas comment je ferai pour le récupérer en bas. J'aurais peut-être pas dû mettre le plancher à ce niveau-là. Je vais mettre la dernière. Merde! Ah, c'est rigolo, hein? Et c'est pas mal ici. Poste d'observation, idéal. Bon, j'ai plus de panneau noir, alors je mets une vieille chute d'agglo. Ça, c'est des bouts d'agglo que je récupère quand j'ai des livraisons. Entre les panneaux, par exemple, de Valchromate ou de Finsa. Et ben voilà, il y a ces intercalaires. Et ça va pas mal pour faire ce genre de truc aussi. Zut, trop long. Eh ben si. Il rentre pile poil. Bon, allez, trois vis et puis c'est marre. Quand je me ferai virer parce que je ronfle trop, je viendrai dormir ici. Bon voilà, je suis très content de cet aménagement. J'ai mes 9 cases, plus une grande case ici pour mettre des plateaux. Je mettrai sans doute une sorte de portique pour soutenir le bout si ça fait plus que 2 mètres de long. Et j'ai plus qu'à couvrir l'ensemble par une chute de quelque chose que j'ai trouvé en bas avec une casquette qui permettra d'installer un éclairage pour ces panneaux de bois brûlés, pour les mettre un peu en valeur. C'était un peu le but du jeu au départ. Hein. En gros, ça va faire 1 mètre de large jusqu'à mon pouce ici.
En tout cas, c'est sûr, il ira pas du premier coup parce qu'il faut que je tablette là le mur qui a un angle. Ah, minute, hein. Ça dépasse devant un tout petit peu, ben, ça fera une petite casquette et ça va être très bien comme ça. Un peu de colle polyuréthane et 3 vis. Alors là, je vais pouvoir fixer mon petit bout de réglette LED avec un petit machin à 45 degrés pour l'aider à tenir en place. J'ai déjà trouvé une chute à 45 degrés. Non, c'est pas là. C'est là, c'est bête. Bon, on va voir ce que ça donne. Évidemment, ça fait sortir la crosse. Hein. Ben voilà. Pas mal, hein. Alors, je saisis l'occasion pour faire un peu de ménage. Ça fait plusieurs années que la poussière n'a pas été faite là derrière. Et puis, j'ai purgé aussi quelques éléments. Comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Peut-être que je m'étais imaginé que j'allais faire un champ, un sapin sur quelque chose. Bon, celui-là, hop, poubelle. Allez, range ta chambre. Bon, quand je vous dis que des tasseaux, il y en a plein, plein, plein. Alors, des petites chutes de valchromate et de contreplaqué. Ah, des morceaux de caravane. Ah, il y en a des petits bouts. Hein. Les oubliettes. Voilà, j'espère qu'ils seront un petit peu moins aux oubliettes ici que là-bas, parce que là-bas, vraiment, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Ces petits tasseaux de hêtre, j'ai aucune idée du moment où je les ai faits. Je suis bien content d'avoir trouvé une solution pour tous ces petits tasseaux.
Le système de rangement, là, bah, ça marche très très bien dans le sens où on voit tout ce dont on dispose. Et pareil pour les tasseaux maintenant, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'ils n'ont vraiment pas tous la même longueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, essayez ça chez vous, hein, ça vaut le coup. C'est entièrement fait avec de la récup, alors voilà, si moi je peux le faire avec de la récup, vous pouvez aussi. Ça ne coûte pas grand chose à faire, juste un petit peu de temps. Moi je retourne à mes activités, il n'y a pas toujours des activités très intéressantes à filmer dans mon activité de menuisier. Donc voilà, je vous donne de la matière, je vous donne d'autres éléments. On va se retrouver très bientôt pour la pose de la porte de marque de fixe en bas de l'atelier. Et puis d'autres vrais projets à venir. Il y a une enfilade, ce n'est pas encore tout à fait signé. Et puis il y aura un grand plan de travail qui est vraiment tordu dans tous les sens. Vraiment un truc un peu complexe au niveau des angles et des assemblages. Et puis il y aura peut-être bien une cuisine à venir aussi. Allez, à ciao, bonsoir. Et tu me l'as mis trop droite l'échelle. Il faut pas faire pour faire des vidéos, hein. À la prochaine.